Hello. So we're ready to start. It's my pleasure to introduce to you. Donc, bienvenue pour la conférence de QNX sous le scalpel. Nous allons analyser le système d'exploitation QNX. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Applaudissements. Très bien, bienvenue à tout le monde. QNX sous le scalpel, analysé sur QNX. Je suis Jos Wetzel, je suis un chercheur de sécurité sur Midnight Blue. Je m'intéresse au système intégré. Je suis à l'université et ceci faisait partie de mon mémoire de maîtrise. Bonjour, je suis Alia Passy et je fais mon doctorat aussi et je suis à l'université de Bochum en Allemagne. Ma recherche, c'est sur la sécurité dans les systèmes. Voilà. Donc, une discussion sur QNX. Nous allons ensuite discuter la génération de nombres pseudo-aléatoires. C'est quoi QNX? Donc, c'est un système d'exclamation propriétaire qui a été depuis 1982 et ça a été acheté par BlackBerry. Donc, c'est un système intégré, embedded, comme on dit. C'est un système 64 bits. Donc, c'est utilisé dans BlackBerry. Mais c'est le haut du iceberg. Donc, ça a 50% du marché et c'est dans plusieurs voitures. Donc QNX, c'est vraiment un système d'exploration qui est utilisé dans les voitures, dans les véhicules embarqués. C'est un système d'exploration intégré. Il y a aussi dans les routeurs de Cisco et QNX est utilisé dans, comme vous le voyez sur la feuille. C'est intéressant donc pour les problèmes de sécurité, pour les attaques de sécurité et pour d'autres systèmes critiques. Westinghouse, surface mining control, turbine controllers, and various military systems such as UAV. Ainsi que des systèmes militaires. Medical systems, railway safety, you name it. La sécurité des trains. Il y a beaucoup d'applications de sécurité. Donc l'année dernière. Vous vous rappelez peut-être que nous avons aussi donné une conférence. Donc, on s'est intéressé au problème PRNG. Et puis, maintenant, nous allons parler un petit peu de différentes choses. Nous allons parler de l'espace kernel de QNX 6 et 7. Et nous allons parler des exploits possibles. Donc, introduction à l'architecture et au système d'exploitation. Donc, l'architecture de sécurité de QNX. Donc, c'est un véritable microkernel. Donc, ça veut dire que la plupart des composants de ce système d'exploitation sont hors du kernel. Donc, ce que vous attendez dans le kernel n'est plus là, en fait. Des choses comme le système de fichiers, les pilotes, le stack, tout ça, c'est à l'extérieur du kernel. Et ce que vous avez, c'est juste vraiment un petit microkernel qui a beaucoup d'avantages. Par exemple, le plus grand étant que c'est plus sûr, c'est beaucoup plus sûr, il y a moins de chances de faire des erreurs, et ce qui causerait que le système d'exploitation crache.
mais il y a aussi quelque chose qui... Il y a moins d'opportunités pour les hackers, en fait, parce qu'il y a une surface plus petite pour les attaques, pour attaquer le kernel. Le kernel est un micro-kernel. Donc, en général, les systèmes d'exploitation de micro-kernel sont mieux certifiés par la NSA. Donc voilà, le micro-kernel. Mais si on met tous ces composants à l'extérieur du micro-kernel, comment est-ce qu'ils vont communiquer? Comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Donc ce que vous avez, c'est un bus de messages qui donne une fonctionnalité, un programme comme un réseau, une communication de réseau. C'est tout à fait similaire. Ce que vous avez, c'est une application dans le user space qui veut communiquer avec le système de fichiers. Donc il envoie un message au microkernel et le microkernel le passe à l'application ciblée. Mettons par exemple le système de dossier. Et ce message va être passé à l'application. Donc ça, c'est le bus de message. Et le microkernel, son boulot, c'est de faire suivre ce message aux autres composants. Mais une chose intéressante par rapport à QNX, c'est que cette architecture combinée avec ce qu'on appelle QNET dans QNX, ça donne une fonctionnalité où tu peux avoir plusieurs microkernels qui communiquent entre eux. Donc, on peut avoir deux microkernels qui parlent par Ethernet, qui donne plus de fonctionnalités pour le networking ou pour la communication de réseau. En plus de cela, QNX rend possible les syscalls. Mais bon, c'est pas comme dans Linux où on peut avoir plus de 300 syscalls. Là, il y en a un peu moins de 90. Et aussi, QNX est compatible avec les librairies C, libc. Donc là, on utilise un compiler QNX et ce compiler compile les fonctions libc dans des messages. Voilà. Bon, la configuration de la mémoire. Bon, il y a un kernel space et un user space, mais la seule chose qui reste dans le kernel, c'est le micro-kernel lui-même. Et en fait, il y aura une séparation du user space. Il n'y a pas de possibilité que des processus à l'intérieur du user space aillent l'un sur l'autre, parce qu'il y en a qui sont sensibles. Donc, il y a un support de la mémoire, du management mémoire. Mais il y a aussi un accès au processus qui est semblable à Unix. Donc le layout mémoire, donc la couche de mémoire. Donc vous avez l'image du programme et puis il y a un loader et puis il y a l'objet et les librairies qui sont chargées par le loader. Mais cela dit, dans le kernel space, il y a une chose intéressante, toute l'adresse. Donc l'adresse de base, en fait, elle commence statique, de façon statique, à un endroit statique. Donc par CPU, on a un stack différent. Donc chaque CPU a son stack, en fait. Donc voyons voir le management des processus. Donc le management des processus est un petit peu différent. On va dire qu'il y a un processus qui s'appelle Procetio, c'est le manager. Mais la plupart des choses, c'est dans le microkernel. Et une autre partie est dans le user space. Donc, c'est le root qui commence avec l'ID de 1. Et puis, de la même façon que les autres microprocesseurs. Mais la différence, c'est qu'il a un flag UPF0 qui lui donne zéro privilège. Mm-hmm. En plus de cela,
Unix soutient les trucs POSIX habituels, mais aussi QNX utilise le ELF format. Mais si le système de dossier est par bloc et que les blocs sont chargés dans la mémoire, alors que le système de fichiers est en liaison avec la mémoire, memory mapped, comme on dit, donc ça peut être le même processus qui partage la mémoire. Aussi, QNX donne la possibilité de sandboxing. Donc, c'est pareil que Linux, en fait. On peut restreindre certaines actions, même pour les processus root, mais on a des domaines, on a c'est similaire à Linux, mais ça dépend de l'intégration du système. Comment est-ce qu'ils vont le faire? C'est pas vraiment un problème du système d'exploitation, mais ça dépend à l'intégration du système. Comment est-ce que les gens qui intègrent ce système vont prendre cette fonctionnalité? Mais également, QNX supporte les processus de user management, donc shadow, les passwords, les groupes, et puis les choses comme logging, SU et SU, donc toutes ces choses-là, un peu analogues à Linux. Donc il y a bien sûr des tables de hash, SHA-256, SHA-512, mais aussi c'est compatible avec MD5 et le chiffrage MD5 qui sont un peu plus faibles. Donc si quelqu'un peut craquer le mot de passe MD5, eh ben, ils vont peut-être aussi craquer cela. Donc en fait, les attaqueurs ont plus de temps pour attaquer quand c'est compatible avec des versions plus faibles. Bon, mais bien sûr, on peut aussi patcher. Donc il y a KDKDF2 qui est activé et c'est par défaut. Donc voyons l'histoire de la sécurité de QNX. Donc la plupart de la recherche a été faite par BlackBerry, qui est le propriétaire de QNX entre 2011 et 2014. Et très intéressant, en 2016, il y a une conférence de Alex Plaskett sur la communication entre les processus dans QNX. Je vous recommande de la regarder. Et il y a aussi divers articles de 2000 à 2008. Mais le plus intéressant, c'est un leak de Wikileaks, Vault 7, qui a montré que la NSA était intéressée à s'attaquer à QNX. Ils ne l'ont pas encore fait avant 2014, mais on ne sait pas s'ils l'ont fait après. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a été fait jusqu'ici sur l'exploit, pour éviter les exploits, et sur PRNG. Je vais parler de l'implémentation de PRNG 7. Donc voyons PRNG, qui est le pseudo-aléatoire générateur de nombres. Pourquoi est-ce que nous regardons cela? Pourquoi? Parce que c'est très important, c'est quelque chose de fondamental pour l'écosystème cryptographique. Par exemple, SSA, SSL, tout cela utilise ce truc. Et donc, les exploits eux-mêmes sont affectés. Donc, voilà, il y a des faiblesses dans PRNG qui peuvent être exploitées. Et donc, quand on essaye d'éviter les exploits, c'est intéressant de s'y intéresser. C'est important de s'y intéresser. Donc, intéressons-nous à DevRandom, l'implémentation de DevRandom, comme récapitulation. Donc,
Ce que nous avons dit l'année dernière, le PNRG de l'année dernière, c'était sur un autre produit. Donc, il y avait des problèmes de design. Le plus gros problème, c'était un problème des seeds, des graines. Ils avaient un gros problème de graines. Et puis, une entropie de mauvaise qualité. Et puis, la source d'entropie qui était basée sur l'intégration au système. Donc, il y a des choses qui peuvent foirer quand on utilise le système d'opération pour ça. C'est mieux dans QNX7 après notre analyse. Donc maintenant, ils utilisent une autre implémentation, Fortuna. Ils utilisent d'autres sources d'entropie et ils ont des meilleurs contrôles de mécanismes pour les graines, pour les seeds, comme on dit. Donc la qualité a l'air beaucoup mieux que sur QNX6. C'est pas encore parfait. Il y a des problèmes sur le design, mais il peut toujours avoir des attaques. Mais le système d'opération est quand même beaucoup mieux. Donc voyons ce qui a changé. Vous n'avez pas besoin de tout regarder. Regardez les carrés verts. C'est les carrés verts qui ont changé. Donc la première chose, le problème de l'entropie sur le temps de boot. Maintenant, il donne un dossier de graines, de seed. Donc maintenant, on peut avoir une aléatoire, une entropie pour une entropie qui vient du bootage, du boot. Donc, ça peut être actualisé pendant le runtime, mais le framework donne différents fichiers de seed, de graines. Mais aussi, l'entropie est générée par les utilisateurs. Donc, différentes sources. D'autre part, c'est étrange qu'ils utilisent GetUID et GetPID qui sont pas random du tout. C'est complètement statique. Et GetTimeOfDay, donc la date du jour, c'est pas random non plus. C'est pas trop mal. Voyons le kernel PRNG de QNX7. QNX7 a un nouveau kernel PRNG et une implémentation en tant que fonction random value dans le microkernel de QNX. Il va être utilisé pour les canaries de stack par le microkernel. Donc ce que vous voyez ici, vous avez différentes sources d'entropie. Ils utilisent le PID, ils utilisent le temps en nanosecondes actuel, ils utilisent le CPU, ce genre de choses, ainsi que des graines aléatoires qu'on peut mettre dans le bloc PRNG, et puis une fonction SHA-256, et donc la sortie va être divisée en 8 blocs et le premier bloc va être utilisé comme un cell et le deuxième bloc va être utilisé pour le output, pour la sortie des 32 bits de valeur aléatoire. Il y aura des itérations à chaque fois qu'on aura besoin d'une nouvelle valeur aléatoire. Donc ces itérations vont bouger de 0, 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois, la location qu'on va choisir, les 32 octets vont changer. Donc, QNX7, le kernel PRNG. Donc maintenant, comment éviter les exploits? Merci beaucoup, Ali. Donc, regardons comment éviter les exploits. Pourquoi essayer de faire ça? Parce que l'évitement d'exploits que nous utilisons ne vient pas du ciel. Il n'est pas tombé du ciel. Il y a une longue histoire de faiblesses, de bypass. Donc, on peut voir sur le slide. Il n'y a rien de cela pour QNX. Ça veut dire qu'il y a vraiment suffisamment de possibilités pour trouver des choses intéressantes.
Donc, QNX 6.5, il y a des supports par défaut. Il y a Stack Canaries, toutes les choses que l'on voit sur la tabelle. Mais ils ne sont pas activés par défaut. Mais si les intégrateurs de système ne font pas le choix explicite d'activer ces fonctions, elles ne le sont pas. Et il n'y a pas aussi de support pour des features beaucoup plus avancées comme le kernel data code isolation, la CPI CFI. Commençons par la data execution prevention pour éviter l'exécution de payloads injectés dans la mémoire. Donc en fait, il y a deux styles d'architecture pour la CPU, Harvard, où il y a code et données qui est séparé, et l'autre c'est la von Neumann où les données et la mémoire sont mélangées. Et pour éviter l'exécution de payloads injectés, eh bien il faut mieux avoir Harvard que von Neumann. Et c'est fait sur le X64, donc la mémoire Harvard est beaucoup plus adaptée à cela. Et vous avez un bit, par exemple, qui régule l'exécutabilité. Donc QNXDEP a un support pour ce genre de flag. Le support est sur x86, x64, il le supporte sur ARM, mais il n'a pas ce support sur MIPS et sur l'architecture PPC, ça varie. Donc selon l'architecture du CPU. Le plus gros problème, c'est que les défauts ne sont pas sûrs. Donc même si on a le support hardware et si on a une version QNX qui a le support sur DEP, mais le stack est quand même exécutable, même si le heap ne l'est pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc le stack GNU est ignoré par le loader du programme. Donc ça va être exécutable, même s'il y a le flag. Bon, c'est possible de faire ce stack non exécutable, même en changeant un flag, mais le problème, c'est que c'est un setting qui est dans le système complet. Donc ça veut dire que si vous avez des exécutables qui doivent être exécutables, eh ben ils seront aussi désactivés avec ce flag. Donc nous l'avons dit. Nous avons rapporté cela aux intégrateurs système, mais cette issue n'a pas été changée sur QNX 7. La deuxième chose pour éviter les exploits, c'est Address Space Layout Randomization pour compliquer la réutilisation de code en randomisant les adresses. Donc l'exploitation typique, à droite, vous voyez du code qui existe à réutiliser. C'est un snippet qui est schedulé. Et puis, il y a une technique pour éviter ça en utilisant l'aléatoire, la location aléatoire. Si l'adresse est aléatoire, vous ne pouvez pas retrouver les snippets de code. En tout cas, c'est l'idée. QNX ASLR est donc activé avec le flag MR. Les processus enfants héritent de leur processus parent ce genre de setting, le setting ASLR, mais par défaut, voilà, j'ai pas compris. Donc voilà, c'est pas très granulaire parce que le random c'est à la base. Et la plupart des objets mémoire sont randomisés. Donc c'est pas un vrai problème. Un problème en pratique, c'est que PI est désactivé par défaut. Donc ça veut dire que à moins d'activer PI, tous les binaires, même les binaires système, n'auront pas la randomisation de la mémoire. Et donc, si on regarde beaucoup d'images firmware de QNX sur le marché, vous verrez que la mémoire code est rarement randomisée. Donc, ça réduit beaucoup l'utilité de cette fonction. Donc, voyons voir comment ça marche sous le capot. Donc, on a reversé l'ingénierie et on va vous épargner tous les détails. En fait, tout est
unmap dans le microkernel. Et donc, voyez les deux carrés bleus, ce sont les deux fonctions et elles ont besoin de la même génération de nombres aléatoires. Donc, la première de ces fonctions, mapfindVA, donc c'est une randomisation des adresses virtuelles et il soustrait une valeur random à l'adresse. Et cette valeur random est obtenue en prenant des 32 bits et puis en les shiftant de 12 et en extrayant. La deuxième fonction, stack randomize, c'est ce qui randomise les adresses commençant ou il fait ça de la même façon que la fonction avant. Il prend les derniers 32 octets du dépendant de la taille du stack. Et cela, il fait un bit mask en fait, avec 7 bits d'entropie. Et donc ça arrange un petit peu parce que c'est combiné avec les résultats de la fonction précédente. Mais en pratique, c'est pas vraiment très très important. Je bois une gorgée d'eau. Donc maintenant, ces valeurs sont un peu optimistes que vous voyez là, parce que on peut l'appeler un PRNG, parce qu'ils utilisent une source d'entropie, mais vous doutez que c'est un... Donc c'est spécifique à l'architecture. Donc à droite de la slide, vous pouvez voir l'architecture des CPU et l'implémentation qui est spécifique. La première chose qui saute à l'esprit, si on veut garantir le secret avec ASLR, il faut être capable de reproduire à un point. Il n'y a pas de PRNG ici, mais il y a de l'entropie faible. Donc, dans ce scénario, l'horloge doit être secrète, ce qui n'est pas, puisque c'est un accès privilégié. Donc, je vais faire une petite pause, excusez-moi. Et donc, on a mesuré plusieurs sortes de processus à travers plusieurs sessions de boot. Et puis, on a utilisé une source d'entropie NIST afin d'estimer le... Et c'est bon de voir que le même... Donc, reprenons. Donc, l'entropie minimum, 4,47 bits. Donc, c'est très, très faible quand on voit d'autres systèmes d'exploitation 32 bits. Linux, par exemple, entre 8 bits d'entropie et 90 bits d'entropie. Donc, selon les systèmes d'exploitation, il y a plus ou moins d'entropie et QNX est un peu faible. Pourquoi c'est un problème? Parce que il y a un potentiel pour les attaques brute force. Donc, si vous avez un daemon de réseau, donc chaque connexion qui vient, tu fais spawn avec un nouveau processus child. Et donc, à cause de la memory layout inheritance, le processus enfant aura le même layout que son parent. Et comme c'est appliqué après que ASLR a été appliqué, donc la ASLR est aussi copiée et c'est statique à chaque fois que ce child est spawned, encore une fois. Donc si on essaie de deviner l'adresse pour un certain morceau de code, ben on va essayer une adresse et puis on va mesurer la réponse. Et puis si le child crash, et ben on va réessayer un autre. Et s'il n'y a pas suffisamment d'entropie, ça peut être efficace, donc en un temps raisonnable.
Voilà, donc une attaque brute force pourrait être efficace. Est-ce que ça marche en pratique? Donc, voyez, ça marche. Nous avons fait un essai, il y a un service vulnérable. Il y a un port de réseau qui est ouvert. Donc, ASLR est activé. Et vous pouvez voir l'exploitation via le network, brute force, 23 secondes pour avoir le route. Donc c'est effectivement efficace. Bien sûr, brute force, ASLR est intéressant, mais les leaks d'informations sont encore plus intéressants. Typiquement, tu trouves dans une application une leak d'informations, mais c'est bien, surtout pour les vulnérabilités local, d'avoir un leak d'information de tout le système. Il y a pas mal de ce genre de choses dans QNX. Donc le premier leak d'information, c'est le PROCFS leak d'information, et on l'a exploité parce que QNX a un file system processus. Donc il y a un processus de file system. Donc on peut utiliser l'API DevCDI. Donc on peut savoir la valeur des registres, on peut utiliser le mapping des registres. Ce que l'on voit, ces valeurs ne se soucient pas des privilèges, ils sont lisibles. Donc on peut écrire une application très simple qui prend les privilèges, regarde le layout de la mémoire, et puis c'est encore plus facile parce qu'ils ont inclus dans QNX l'utilité PID qui donne cette fonctionnalité par défaut. Donc, si vous avez juste la chance, vous pouvez avoir cette utilité que vous pouvez lancer. Donc, le deuxième leak, il est dans les variables de debug. C'est une variable d'environnement qui peut spécifier des requêtes pour les informations de debugging. Et si on choisit toutes les options, on a plein d'informations de debug, et entre autres les adresses des librairies partagées. Et ce qui est intéressant sur Linux ou sur BSD, cette option a des privilèges. Donc si on essaie de faire ça pour cette UID et on n'est pas le root, eh ben il va pas donner cette information. Mais sur QNX, il n'y a pas de check sur les privilèges. Donc même si on n'est pas root, on peut obtenir cette information et exploiter cette UID. Donc, après que nous ayons dit cela, ils ont fait des améliorations dans QNX 7, et QNX 7 toujours à SLR désactivé, mais ils utilisent un autre PRNG de kernel, ce que nous avons dit tout à l'heure, et ça c'est bien. Mais il ne fait pas QSNR beaucoup plus fort, parce que malgré tout ça, malgré qu'ils ont un address space de 64 bits, ils ont oublié d'enlever ce masking pour la fonction de randomisation. Donc, en fait, ils ont 7 bits d'entropie pour le stack address. Ils n'ont pas assez de bits d'entropie, en fait, pour l'adresse de stack. Une autre chose intéressante, sur la droite de la slide, c'est la memory code est chargée dans le bas de l'adresse space, dans les premiers 32 bits, en fait. Donc, ils ont fixé la variable de debug, mais pour les attaqueurs, ils n'ont pas complètement tout réparé. Donc, sur PROCFS, ils n'ont pas réparé. Donc, on peut toujours utiliser la utility PID. On ne peut plus utiliser l'utility PID, mais on peut toujours écrire soi-même un petit truc pour s'octroyer une élévation de privilèges et récupérer les informations. Le prochain évitement d'attaque, c'est les stack canaries. Donc, stack canaries qui sont utilisés pour les overflows. Ceux qui ne connaissent pas cela, ça marche comme ça. Vous générez des canary value, c'est un nombre aléatoire, et vous le gardez secret. Et vous le mettez entre les variables locales. Vous l'insérez et vous sauvez l'adresse sur le stack, donc vers les metadata. Donc, quand un attaqueur va attaquer l'adresse de retour de la fonction, donc là, il va le canari, voilà. Donc le canari va être comparé
Et au lieu de retourner à l'adresse safe, de l'adresse prévue, il va voir qu'il a été réécrit. Donc, QNX utilise une implémentation de Stack Canaries qui s'appelle Stack Smashing Protector. Donc, du côté compiler, c'est bon, mais du côté système d'exploitation, c'est fait main, c'est custom. Donc, les master canaries de user space est généré au départ du programme quand libc est chargé. Donc, sur différentes plateformes, ils ont différentes implémentations, mais c'est souvent la même chose sur Linux, par exemple. Mais QNX, il a une fonction init cookies, et c'est là où est le problème, parce que c'est encore un générateur de nombres aléatoires qui est faible. Donc, il utilise les cycles d'horloge avec une variable, l'adresse de la fonction et une adresse. Et donc, ça contribue pas vraiment d'entropie. Ouais, leur entropie est trop faible, en fait. C'est là le fond du problème. Donc, on a décidé d'évaluer trois configurations sans ASLR, avec ASLR et avec ASLR. Et un setting particulier. Et on a vu que l'entropie minimum était de 779 bits. Mais c'est pas idéal. Parce qu'ils auraient dû avoir au moins 24 bits d'entropie minimum. Surtout qu'ils ont une null byte, un octet nul. En fait, c'est un problème à cause des attaques de brute force. Dans le kernel space, le problème est encore pire, parce que le micro-kernel n'est pas linké à libc. Donc, ils auraient dû l'implémenter dans le kernel, mais ils ont oublié de le faire. Donc, le micro-kernel est protégé par rapport à plusieurs fonctions qui utilisent Stack Canary, mais les Stack Canary ne sont pas initialisés. Donc, évidemment, c'est toujours les mêmes. Donc, ça n'avance à rien. Donc, on a dit ça à BlackBerry. Et maintenant, les Stack Canaries sont activés par défaut. Et ils génèrent sur un... Voilà, et ils ont une valeur basée sur les best practices. Ils prennent un nombre, aléatoire de 64 bits. Ils le transportent au processus user space pour le mélanger avec leur cookie ding, là, leur truc cookie. Et ensuite, ils utilisent un... Et ils créent le canari. Ils créent un canari plus fort, hein, beaucoup plus fort. Ils ont réparé donc ce problème. Ça nous amène à la dernière stratégie d'évitement d'exploit. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la relocation read-only, donc si vous avez une fonction qui pendant le runtime et vous avez une librairie partagée, une shared library, donc ce sera, voilà, vous l'avez utilisé. Donc, c'est un angle d'attaque assez populaire, hein, car vous avez des adresses statiques malgré ASLR. Donc, vous pouvez hijacker le flow de contrôle. Donc, RELRO a été inventé. Donc, les données programmes, voilà, il y a des relocations où, en fait, la partie de la mémoire où il y a le programme et la partie de la mémoire où il y a l'adresse a été replacée. Donc, pendant le programme, donc la table de offset va rester éditable pendant le runtime, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc, comment ils font? Ils vont désactiver le lazy binding. Ils ont implémenté ça sur QNX 6, c'est pas mal, mais leur implémentation est cassée. Comme on voit sur la gauche, c'est sur Debian, c'est la façon dont c'est bien. Vous avez les sections programmes et les sections adresses. Et sur la droite, le QNX 6, pour la même application, donc certaines des sections de données sont avant les sections de programme. Et
l'endroit le plus intéressant n'est pas précédé, ne précède pas les données. En fait, ils ne sont pas bien placés. Les blocs devraient être placés d'une autre façon. Ils ne sont pas bien placés. Donc, on est encore vulnérable aux attaques. Et donc, la cause, c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne section de linker. Et donc, en pratique, ça a l'air ça. Vous avez Debian. Et on ne peut plus, sur Debian, c'est bien implémenté. Et sur QNX, c'est mal implémenté. Donc, c'est cassé. Donc, en plus de ça, on a trouvé un bypass local. Donc, toujours ce LD debug, il y a une fonction qui s'appelle impostor. Donc, on a une élévation de privilèges possible. Donc, pour utiliser les set UID, les binaires set UID, il y a beaucoup de ce genre de choses dans l'histoire de QNX. Ces deux problèmes ont été rapportés à BlackBerry et ils l'ont réparé avec des patchs. Et donc, dans QNX 7, c'est bon. Cela nous amène aux dernières remarques. Donc, nous avons donné tous ces problèmes à BlackBerry. Ils ont réparé la plupart des choses. Il y a des patchs qui sont disponibles. Et vous pouvez le voir dans le lien en bas. Un avertissement quand même, hein, tous les attaqueurs et les défendeurs, de ces patchs. Ah oui, oui, d'accord, il y a des systèmes qui sont intégrés, donc jusqu'à ce qu'ils aient les patchs, ça peut durer longtemps. Donc les mises à jour ne sont pas forcément mises en place partout. Donc, en conclusion, la plupart des évitements d'exploits sont bien du côté de la toolchain. C'est un problème des systèmes d'exploitation intégrés, en fait, parce que QNX ne peut pas être... ah voilà, si on fait quelque chose sur un système d'exploitation normal, ça ne peut pas être appliqué directement sur QNX parce que c'est pas la même architecture. Donc, ils finissent par faire des trucs un peu fait maison pour éviter les exploits, mais c'est pas forcément le mieux. Donc, il y a beaucoup de vulnérabilités qu'on trouve là. Et en fait, il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont là parce que les gens qui font de la recherche n'ont pas fait attention. Donc, les générateurs de nombres aléatoires intégrés, ça reste un sujet difficile, rien que par le design de ce produit. Donc, il faut le savoir. Donc, maintenant, quelque chose de positif. QNX essaie de rester à la hauteur de la sécurité des systèmes d'exploitation généraux. Et ils répondent assez rapidement. BlackBerry intègre notre feedback dans leur code, dans leur patch. Donc j'aimerais bien que vous ayez votre attention sur la sécurité des systèmes intégrés dans les voitures. C'est des systèmes très critiques, des systèmes militaires. Donc, intéressez-vous. Nous allons continuer à nous intéresser à QNX et nous allons continuer à vous informer. Si vous avez des questions. Les questions du public. Thank you. Merci, Ali Abazi. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons du temps pour les questions-réponses. Venez devant le microphone si vous avez une question à poser. Yes, as the person who probably did the very first userland and kernel exploitation work on QNX, I feel a bit left out of one of your slides. Je suis l'auteur de ce que vous avez fait sur une des slides et vous avez oublié de me citer. Ah, je suis vraiment désolé. Quel est votre nom? Any other questions? Une autre question peut-être? Oh, there, I guess. Bien, une autre question.
Pour le problème où les stacks canaries n'étaient pas mis en place comme il faut, c'était un problème initial ou ils n'ont pas été pris du storage pour être mis au bon endroit. Donc le problème, c'est la façon dont ils l'ont implémenté. Ils n'ont pas d'initialisation pour le master canary. Donc la référence de la canary est là, mais il n'est pas initialisé parce que le microkernel, les stacks canaries du microkernel étaient dans le BSS qui était initialisé par zéro. Donc en fait, c'était toujours zéro. Donc ils l'ont utilisé, mais ils n'ont pas initialisé. Donc en fait, si le canary est toujours zéro, c'est comme s'il n'y en avait pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ne soyez pas timide. Quelqu'un s'approche du micro? Non. Bien, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup pour votre conférence très intéressante. Voilà, et il est temps pour nous de...